Bonsoir à tous et encore une fois, vous avez choisi TV Plus Madagascar et vous avez bien fait. Bienvenue à tous. Voici tout de suite nos titres. Une insécurité grandissante dans la ville d'Ilagak où une banque et une station d'essence ont été attaquées en une journée par des bandits armés. Les malfrats étaient munis d'armes à feu et se sont enfuis avec la somme de 40 millions d'ariary. Du jamais vu, c'est ainsi que s'est exprimé le directeur provincial de l'ATT à Madzang par rapport au nombre de vacanciers à destination de Madzang. Durant les 3 mois des grandes vacances, environ 100 000 voyageurs étaient en partance de la gare routière Maki d'Andoutapenak pour rejoindre Madzang. Il est nécessaire de prioriser la formation pédagogique des jeunes sur l'agriculture et l'élevage en milieu rural. Selon le représentant du FAO à Madagascar, la vice-ministre en charge de la jeunesse d'ajouter l'importance pour les jeunes en milieu rural de bénéficier de formation pour performer dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Pour terminer, l'armée française a débuté mardi matin la phase finale du transfert de la base de Kidal dans le nord du Mali vers la force des Nations Unies et de l'armée malienne, a indiqué l'état-major français, alors que Paris a entrepris en juin de réorganiser son dispositif militaire au Sahel. Une insécurité grandissante dans la ville d'Ilagak où une banque et une station d'essence ont été attaquées en une journée par des bandits armés. Les faits se sont déroulés lundi dernier. La station d'essence à Ndouane Ilagak a été attaquée en premier vers 14h30 de l'après-midi. Les malfrats étaient munis d'armes à feu et se sont enfuis avec la somme de 40 millions d'ariary. Quelques heures après, vers 18h30, une autre attaque est survenue dans une banque toujours dans la même ville. Les bandits ont emporté une somme faramineuse. Les éléments des forces de l'ordre se sont tout de suite lancés aux trousses de ces malfrats. Ces derniers ont été interceptés dans un véhicule 4x4 en direction de Tuléar avec 925 millions d'ariary. 4 bandits sont actuellement retenus au bureau de la force d'intervention de la police FIP Tuléar, tandis que 3 sont retenus à la gendarmerie d'Ilagak. Un des bandits est reconnu comme étant un responsable de la banque, selon toujours les informations. Du jamais vu, c'est ainsi que s'est exprimé le directeur provincial de l'ATT à Madzang par rapport au nombre de vacanciers à destination de Madzang. Durant les 3 mois des grandes vacances, environ 100 000 voyageurs étaient en partance de la gare routière Maki d'Andoutapenak pour rejoindre Madzang. Ils étaient transportés par plus de 5 500 taxi-brousse. Malgré ce nombre accru des automobiles en circulation sur la axe RN4, les accidents routiers y sont moindres et cela grâce à l'application des mesures strictes au sein de la gare routière, précise le responsable dans ce reportage signé Fanjissin El-Malakassin et Eric Ranefson. Majunga figure parmi les destinations phares des vacanciers cette année, la preuve étant les milliers de taxi-brousses desservant la route nationale numéro 4 depuis juin 2021. En effet, d'après les statistiques émanant du directeur représentant de l'ATT à Majunga, 1357 taxi-brousses transportant 21 135 passagers étaient venus à Majunga rien que pour le mois de juin dernier, un chiffre qui n'a cessé d'augmenter, sachant qu'au mois suivant, 1796 taxi-brousses ont été enregistrés avec 29 742 passagers et en août dernier, le nombre de véhicules de transport en commun a atteint les 2639 avec 45 780 voyageurs à bord, un record national puisqu'au total donc environ 6000 taxi-brousses et 100 000 voyageurs sont arrivés à Majunga cet été pour les vacances, sans parler du nombre de véhicules particuliers et de coopératives privées.
Malgré ce nombre élevé des taxis brousse desservant la Nationale 4, le nombre d'accidents routiers a connu une baisse, voire même réduit à néant pour les taxis brousse. En effet, ce sont les véhicules particuliers qui font le plus d'accidents pendant la période de vacances sur la RN4, indique l'ATT. Les bilans avaient affiché des blessés et des décès, mais le taux est moindre par rapport à l'année précédente, toujours d'après les explications. Responsable de la gare routière à Aranda, avec l'appui de l'ATT, et de la visite technique ainsi que des forces de l'ordre avaient élaboré ensemble des stratégies de contrôle au départ de tous les taxis brousse depuis le mois de juin. Ils contrôlent le nombre de chauffeurs qui devrait être de 2 par véhicule, mais aussi l'état technique du véhicule ainsi que le poids de bagages arrimé au toit. Les techniciens de la visite technique poursuivent les contrôles inopinés sur ces taxis de la RN4. Éducation, l'abandon scolaire ainsi que le taux d'absence scolaire accusent une hausse considérable depuis l'instauration de l'état d'urgence sanitaire à Madagascar. Selon le chef de la circonscription scolaire de Bétaf, le taux d'absence des élèves atteint 30% d'après toujours ce responsable. L'absence de cantine scolaire contribue entre autres à l'absentéisme ou carrément à l'abandon scolaire. Cette situation est surtout constatée pendant la période de soudure où les paysans rencontrent des difficultés de subsistance. Pour résoudre ce problème, un dialogue social entre les organisations de la société civile et les députés a eu lieu ce jour à Antirabé, Antchalarso. Seulement 3 sur les 250 écoles primaires publiques existantes dans le district de Bétaf bénéficient de cantines scolaires actuellement. La mise en place de la cantine scolaire dans ces 3 établissements est le résultat de la coopération entre la CISCO et le secteur privé sans que l'État y ait participé, d'après toujours le chef de la CISCO de Bétaf. La nouvelle liste des EPP qui vont bénéficier de cantines scolaires financées par l'État ne comprend malheureusement pas des établissements scolaires de cette CISCO, déplore le chef de la CISCO de Bétaf. Or, le taux d'abandon scolaire et d'absence dans cette circonscription ne cesse d'augmenter, surtout depuis la crise sanitaire dans le pays. Actuellement, 20 à 30% des élèves ne reviennent en classe que rarement. Le taux d'abandon est encore plus élevé en période de soudure. En effet, en cette période de l'année, les paysans ont du mal à subvenir à leurs besoins et se trouvent obligés d'arrêter la scolarisation de leurs enfants. Ces enfants qui, de leur côté, n'arrivent pas à effectuer des va-et-vient entre l'école et leur maison. À part cela, c'est également à cette période de l'année que les activités dans les champs et rizières s'accumulent. Les parents ont donc besoin de leurs enfants comme main-d'œuvre supplémentaire pour les travaux. Par conséquent, ils abandonnent provisoirement l'école. Et d'ailleurs, bon nombre d'habitants de ce district restent encore malnutris par pauvreté. Ces derniers optent pour la vente de leur production au lieu de s'en servir comme nourriture. À cela s'ajoute la hausse considérable du prix du riz cette année, toujours selon les plaintes des habitants de Bétaf. Face à cette situation, le taux de malnutrition reste élevé, nécessitant une amélioration des interventions et de la conception de nouvelles stratégies de lutte dans le dialogue social entre les organisations de la société civile et les députés qui se tient depuis ce jour à Antirabé. Il est nécessaire de prioriser la formation pédagogique des jeunes sur l'agriculture et l'élevage en milieu rural. Selon le représentant du FAO à Madagascar, c'est à travers ces formations que les jeunes pourront puiser des techniques entrepreneuriales leur permettant de devenir financièrement indépendants et de ne plus être obligés de venir dans la capitale pour chercher du travail. D'après les explications, la vice-ministre en charge de la jeunesse d'ajouter l'importance pour les jeunes en milieu rural de bénéficier de formations pour performer dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Narine Jatina, Marcelin, Adjimoufati. Le taux de chômage chez les jeunes est actuellement en hausse aussi bien dans la capitale qu'en milieu rural. Les jeunes sont pourtant l'avenir du pays, ce qui signifie qu'il est primordial de les soutenir et de les aider dans leur recherche d'activités génératrices de revenus, notamment en leur facilitant l'accès à l'emploi selon le représentant du FAO à Madagascar. C'est pour cette raison que dans le cadre de leur projet d'appui aux jeunes malagas, le FAO va aider les jeunes habitants en milieu rural en leur octroyant des formations sur
sur l'agriculture et l'élevage. Le but étant d'endiguer l'exode rural, mais aussi de leur donner une indépendance financière et surtout de les sensibiliser sur les diverses possibilités de création d'emplois dans leur localité sans avoir à se déplacer dans la capitale pour y chercher du travail. Madame le ministre m'a appris que 70% de la population de Madagascar est constituée de jeunes. C'est un chiffre qui nous indique déjà la direction à suivre. Ça signifie que sans travailler avec les jeunes, sans un soutien approprié aux jeunes, nous n'avons pas beaucoup d'avenir dans ce pays et dans beaucoup d'autres pays par ailleurs. Le rôle de la jeunesse est essentiel, surtout la jeunesse rurale qui a besoin de beaucoup de soutien en matière de formation, en matière de création d'emplois, en matière de services essentiels, ainsi de suite, pour pas qu'ils se retrouvent toujours obligés d'émigrer vers les zones urbaines où très souvent ils ne trouvent pas mieux que chez eux. Par contre, en restant dans leur milieu rural, ils peuvent être le phare, ils peuvent être le fil conducteur vers un développement réellement. Le représentant du FAO a effectué une visite auprès de la vice-ministre de la Jeunesse pour discuter de ce projet commun pour le développement des jeunes en milieu rural. Pour les relations bilatérales, l'ambassadeur de la Corée du Sud, son Excellence Son Yong-ho, a rendu une visite de courtoisie au président de la Haute Cour constitutionnelle HCC, Florent Rakotoarsu, à son bureau à Mbouda ce matin. Ceci entre dans le cadre du renforcement du lien d'amitié entre les deux pays, Madagascar et la Corée du Sud, surtout sur le plan juridique. D'après l'ambassadeur de la Corée du Sud, la relation entre les deux pays est de longue date. Les échanges d'expériences sur le plan juridique en seront renforcés. Actualité internationale pour terminer cette édition. L'armée française a débuté mardi matin la phase finale du transfert de la base de Kidal dans le nord du Mali vers la force des Nations Unies et de l'armée malienne, a indiqué l'état-major français, alors que Paris a entrepris en juin de réorganiser son dispositif militaire au Sahel. Alors à Kidal, le convoi de l'armée française est parti hier matin. Après Kidal, les bases de Dessalines et Tombouctou fermeront d'ici la fin de l'année. Elles seront ensuite transmises aux militaires maliens. Et en fermant ces bases au nord, l'armée française souhaite laisser à l'État malien la responsabilité de ces zones. Aujourd'hui, il faut savoir que les deux tiers du territoire malien échappent au contrôle de l'État. Alors d'après un représentant de la force française à Bamako, l'idée n'est justement pas de créer un vide, mais bien de reconcentrer les forces en réduisant les effets. Jusqu'alors, 5100 soldats français étaient présents au Sahel. Les militaires français continueront d'appuyer et d'accompagner les FAMA, les militaires maliens, notamment au sein de la Task Force Takuba, composée de forces spéciales européennes. Bamako, les avis sont partagés au sein de la société civile. Certains saluent la fermeture des bases dans le nord du pays et pointent du doigt l'enlisement de la force française qui lutte contre le djihadisme au Sahel depuis maintenant 8 ans. Face à la dégradation du contexte sécuritaire, d'autres se disent abandonnés par la France et réclame aujourd'hui l'intervention de la Russie à travers la société paramilitaire russe Wagner, une société privée régulièrement accusée d'exactions dont les mercenaires pourraient être prochainement déployés au Mali. Alors dans le nord du pays, les groupes armés signataires de l'accord de paix d'Alger craignent le vide qui sera laissé après le départ de Barkhane, un départ qui d'après eux doit se préparer. Les anciens rebelles demandent la mise en place rapide d'une armée nationale reconstituée où chaque Mali et anciens combattants se verraient représentés, une armée composée, je cite, des fils du terroir, prévue dans les dispositions de l'accord de paix d'Alger en 2015. Et puis enfin, les groupes armés condamnent la potentielle intervention de mercenaires russes au Mali, une intervention, si elle avait lieu, qui pourrait les pousser à reprendre les armes. C'est ce qui met fin à notre édition. Je vous retrouve dans le journal en version malgache. Tout de suite.